Dames et messieurs, bonjour, bonsoir. Vous savez, quand on voit certaines personnes dans des conditions difficiles, traverser des moments difficiles dans leur vie et qu'on n'a pas assez de moyens pour les aider, on se contente du peu par rapport à la foi qu'on a pour les apporter aussi notre soutien. La maison que vous voyez derrière moi là, la petite case, parce que quand je vais pas de maison, les gens vont croire. La case que vous voyez derrière moi là, c'est ma case. Je vais vous présenter l'intérieur. Voilà, je suis venu ici ce matin. Ça fait un an que je n'habite plus. J'habitais ici pour ceux qui me suivaient depuis. Voilà, ils connaissent l'une des raisons pour lesquelles je suis parti. Et aussi le fait que le milieu, c'était déjà, la maison était petite déjà pour moi. Et c'était un peu loin, parce qu'il faut rappeler que c'est à 3 km du goudron. Donc, à 3 km de soie, du centre de soie. Donc, je vais vous présenter la maison afin de vous expliquer, vous donner les raisons pour lesquelles je vous présente cette maison. Je vais retourner dans la caméra. Voilà, dames et messieurs, comme vous pouvez constater, voilà les toilettes. Bon, permettez-moi pour la qualité, c'est sale parce que ça fait longtemps qu'on a abandonné la maison. La maison est là, carrelée, tout. Voilà. C'est carrelé, hein? Bon, les murs sont dégradés parce que ça fait plus d'un an. Comme vous pouvez constater, je mets dans cette maison. Là, ici, il faut rappeler qu'ici, c'est un studio. Voilà, c'est un studio. Voilà notre chambre là-bas avec les toilettes. Ici également, c'est un autre studio. C'est une maison de 3 studios. Carrelé, hein? Carrelé. Voilà, carreaux sont au sol avec la peinture, plafond, tout. Comme vous pouvez constater. Voilà. La chambre ici, on peut constater. Seulement les chambres qui ne sont pas carrelées. Voilà, les toilettes là-bas et tout, voilà. Donc, je mets cette maison, comme vous pouvez constater là, en disposition des sinistrés. Je vais donner cette maison aux sinistrés de Bancolo. Oui, voilà le compteur qui fonctionne bien. Un compteur prépayé qui alimente la maison. Je vais donner cette maison aux sinistrés de Bancolo parce que depuis que l'histoire là s'est passée, on voit comment certains sont en train de souffrir. Et je vous présente cette maison, ça c'est un autre studio. Je vous présente donc cette maison, pourquoi? C'est peint, hein? Plafond, tout carrelé. Donc voilà l'autre. Voilà le sol, l'autre chambre, tout. Avec toilette, comme vous pouvez constater tout ça, n'est-ce pas? Et je vais donc finir par la chambre. Voilà. Je vous présente donc d'abord tout ça avant de vous donner les raisons, de vous expliquer vraiment ce qui me pousse à faire cette vidéo. Voilà. Là, voici une chambre qui est également tout fait, tout. La chambre est simple, il n'y a pas de douche. Bon, ça c'est la cour, ça c'est l'espace qui reste. Voilà, l'espace, la cour, voilà. Il y a les herbes, mais à l'époque quand nous on vivait ici, il n'y avait pas ces herbes-là, il n'y avait rien. C'était même comme un stade de football, voilà donc. Voilà les amis, je retourne la caméra pour vous expliquer donc. Je disais donc que cette maison que vous voyez derrière moi, c'est ma maison. C'est vrai, ça fait un an que j'ai mis ça en location, j'ai mis les plaques à louer. Mais les locataires qui venaient ne remplissaient pas les conditions que moi je voulais. Et quand j'ai vu le drame qui s'est passé en Bancolo et qu'il y a des sans-abri actuellement, j'ai décidé de mettre cette maison que vous voyez derrière moi là à certaines familles. C'est 3 studios et une chambre. Donc, je ne sais, j'ai fait la vidéo parce que je ne sais pas comment les aborder. Vous savez, c'est un peu bizarre si je pars avec quelqu'un et je lui dis, bon, je te donne ma maison. C'est un peu bizarre. Je fais cette vidéo donc et je publie parce que je voudrais que ceux qui sont un peu proches de cette famille, parce que c'est vrai que cette famille, ils ne peuvent pas être sur Internet maintenant, vu leurs conditions. Je fais donc si quelqu'un connaît certaines familles qui n'ont pas d'abri présentement. Je peux loger 3 familles. Bon, moi je pars quand même pas des familles, les pères avec les enfants, bon bref. Et voilà encore une chambre là-bas. Donc je peux loger 3 ou 4 familles ici. Donc si quelqu'un connaît une famille qui n'a pas d'abri présentement et qui cherche un endroit pour habiter, je donne ma maison pour 2 ans, gratuitement et sans condition, pour 2 ans d'habitation. Parce qu'il faut rappeler que j'ai un projet ici, je vais casser tout ça pour reconstruire. J'ai un projet pour le terrain, c'est ça que j'ai dit 2 ans. Donc 2 ans pour eux, question de se battre
pour chercher un autre endroit au moment où je vais lancer le chantier ici. Parce que je voudrais poser que quand je vais vouloir lancer un chantier ici, après les 2 ans là, et ça devient les problèmes. C'est pour cette raison que je précise déjà que c'est pour 2 ans. Je donne tous les 3 studios, c'est la chambre, comme vous pouvez voir là. Bon, les amis, c'est un peu sale parce qu'on a abandonné depuis. Si quelqu'un vient là, il peut mettre la peinture. Donc, c'est ce que moi j'ai pensé au fond de mon cœur que moi je peux faire pour ceux qui sont dans le besoin de l'abri. Voilà donc la maison, comme vous pouvez voir. Il n'y a rien d'accidenté. Hein. Il n'y a pas. Voilà donc. Il y a les gens en bas là-bas. Les gens habitent partout là-bas en bas. Si je tourne là, ça c'est le voisin ici. Voilà les gens qui sont en bas là. Donc, il y a le quartier habité. Le quartier habité, il y a tout. Il y a le courant, il y a l'eau, il y a tout. Voilà où. Moi-même, j'ai vécu ici pendant 5 ans. Donc, je mets cette maison et je demande à ceux qui m'écoutent si quelqu'un peut me conduire vers une famille qui est dans le besoin de l'abri. Je vais donner cette maison comme ça là pour qu'ils s'abritent d'abord en attendant se remonter. Voilà, c'est l'objet de ma vidéo ce matin, c'est l'objet de ma visite ici ce matin. Cette case-ci, comme vous pouvez voir là. Voilà. Voilà cette case-là. Je donne ça comme ça. Vous pouvez venir habiter là. Sans condition, je précise bien. J'attends que ceux qui peuvent m'aider à aller vers cette famille. Parce que moi, vous savez, nous sommes bantous. Je ne veux pas trouver quelqu'un comme ça, dit seulement que. Mon frère, pardon, viens habiter chez moi, c'est un peu bizarre, non? Il faut quand même quelqu'un qui va me conduire, c'est quelqu'un qui me suit, qui sait qui est Franco, qui peut me proposer aux membres de cette famille que bon, il y a quelqu'un qui propose la maison, sa maison, du côté de soi. Si quelqu'un peut habiter là-bas, c'est pas aussi une obligation. Je propose tout simplement. Voilà, donc, le numéro c'est le 672 30 37 85. Vous nous contactez via ce numéro pour ceux qui aimeraient prendre les studios là. Voilà, ainsi c'est tout ce que je pouvais faire. Moi même je me débrouille, hein. Je me bats, c'est pas facile, je me bats encore. Donc on ne donne pas, on ne fait pas aussi les petits gestes parce qu'on a beaucoup, non. Juste qu'on voit aussi les gens qui souffrent et qu'on a un cœur chrétien, ça fait pitié. Donc voilà ce que je peux faire. Bon, à vous de voir, c'est pas une obligation, que j'ai bien dit. Voilà donc, 3 studios et 1 chambre. Merci. Alors, je voudrais attirer l'attention de ces hommes qui sont à la, de ces femmes qui sont à la recherche d'enfants depuis plusieurs années. Si vous avez été diagnostiqué stérile à l'hôpital, voici la solution pour vous. C'est cette gamme de produits 100% bio qui vous apporte le bonheur dans la famille. Dans cette gamme, vous allez retrouver ces purges essentiellement conçus pour dégager au niveau de la gynécologie de la femme, tout type de déchets qu'on retrouve à ce niveau-là. Parce que le plus souvent, on consomme des produits pour le ventre alors que le problème est localisé au niveau de la gynécologie de la femme. Vous allez retrouver cet ovule qui permet d'activer de manière rapide et efficacement la glaire cervicale, qui permet de remonter les hormones chez la femme. Alors c'est toute une gamme de produits conçus uniquement pour les femmes qui souffrent à la recherche d'enfants. Et à côté de cette gamme, vous avez ce qui est prévu pour l'homme, le spermatose, qui vient travailler la qualité, la quantité du spermatozoïde chez l'homme pour permettre à l'homme d'avoir un sperme de qualité, mais aussi de quantité. Ok, s'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.